Re à tous. Alors j'ai des soucis de disque dur, je viens de m'en rendre compte, donc j'ai dû faire une pause parce que mon disque dur était plein. Et en ce moment, la bataille, elle a été gérée à temps. Et encore, je m'en suis rendu compte sur une sauvegarde automatique. J'espère que vous voyez un petit peu le coup de bol. Pas du tout ma dernière parce que en fait maintenant j'en ai un paquet à faire. Ça va bosser dur. Donc on a réussi à prendre le contrôle de la France assez vite. À Venise, j'ai laissé quoi 48 000 hommes pour faire le ménage. C'est vraiment grotesque pour eux. Tiens, eux, je vais les faire intervenir chez Venise. Alençon qui vient de tomber chez nous. Vous allez abandonner vos canons. Ainsi que lui. Pour faire un meilleur siège là. Du coup, en Île-de-France, niveau canon, on est à 5. Ok. Le Maine qui est tombé, mais le Maine, on s'en fout, ça apporte que dalle. Ouais, restez ici, restez en arrière. Toi, tu peux peut-être commencer la Provence. Toi, du coup, tu te mettrais à côté, tu te mettrais à Draguignan. Je me demande si j'ouvrais pas l'arrière-garde ici. Ça fait quand même un bloc de 80 000, ça fait beaucoup moins d'un coup. Jérusalem, Mahan, Ragus qui tombe. Tu peux manger les deux armées là, puis après tu iras. Je sais pas où tu iras, mais bon, on va trouver quelque chose à faire quand même. Ah, ils ont réussi à fuir avant que j'arrive, les salauds. En plus, ils ont fui par un embarquement. Attendez, il fait que de me dire qu'il n'arrive pas à sauvegarder. Par contre, la vidéo est enregistrée. Et mais je comprends pas, ma sauvegarde, elle est online. Secondes, je vais recouper la vidéo et je reprendrai après. Là, je vais faire OK. À tout de suite. Allez, encore une fois, re, cette fois-ci, j'espère que ça se passera mieux. Que je vais en arrêter avec les problèmes. Non, toi, je te veux. En fait, le fort, il est où? Le prochain fort, c'est lequel? C'est Quercy. Donc, toi, en attendant, tu vas faire un arrêt là. Et toi, tu vas faire un arrêt là-bas. Ah, remontée de l'armée française par là-bas déjà? Ouh, 150 000. Je pense qu'on va retarder l'attaque de Quercy. Ça fait beaucoup de monde au même endroit. Et actuellement, j'ai pas beaucoup de monde au même endroit. Draguignan qui est tombé, c'est cool. Toi, du coup, tu vas remonter vers le nord. J'aimerais bien que tu remontes par là parce que j'ai la putain d'armée de Venise qui s'amuse chez moi. 180 000 hommes, ça fait quasiment 200 000. Ça commence à faire beaucoup là. J'ai en soutien, j'ai cette armée-là. Kiev est occupée. Où est la Suède? L'armée suédoise, elle est où? Bah, c'est une bonne question, ça. Là, il me semble que là-bas, j'ai l'armée de Flandre. Et encore, l'armée de Flandre, elle est ridicule. Non. Ouais, elle est ridicule. À quoi, ils ont quand même 40 000 hommes? Attendez. Ok, ils sont en fait, ils ont beaucoup d'hommes. Mais où est l'armée de la Suède? Putain, les Suédois, vous avez fait péter votre armée? Bande de boulets, quoi. Ah non, ils étaient là. Ouais, remarque qu'elle est ridiculement petite, votre armée aussi, hein. Ouais, pour l'instant, on va abandonner ce front-là, vous remontez sur l'Orléanais. Ils ont 200 000 hommes qui sont plutôt unis par rapport à nous. Donc, on va attendre de se re-regrouper un petit peu. Là, ici, au moins, on va sortir l'armée de Venise. Enfin, une des armées. Moins 100%! Ben avec un moins 100%, les mecs, vous abandonnez le siège, quoi. On va pas se faire chier. Je crois que j'avais jamais lu, je l'avais jamais lu le moins 100%. Ok, et on va vous recouper en deux. Toi, tu vas aller prendre, donc tu vas tuer l'armée de Donkragi. Tu vas commencer l'Ika. Et ça fait 13% seulement. Là, il y a quand même un bloc de 80 000. Je suis reparti. Ils vont peut-être réussir à reprendre Draguignan avec Provence. Peut-être pas.
Ouais, ce serait cool qu'il le fasse pas, remarque. Ah. Attendez, les mecs, vous êtes venus attaquer une de mes flottes? Mais comment j'ai fait pour gagner? Je vous compte, je vous ai battu avec une de mes flottes? Mais c'est la honte, les mecs! C'est même pire que la honte, quoi. Ah, ok, ils ont lancé l'attaque, j'ai pas, j'étais pas dessus. Vous me sortez immédiatement Johnson en avant, en avant. Et vous, vous vous ramenez en courant. Les mecs, si vous arrivez pas à temps, on est parti pour prendre une fessée. Vous aussi, vous arrivez. Vous, vous me laissez deux soldats. Et vous foncez là-bas. Ardana, je m'en fous. Je vais quand même vous donner un petit chef, hein. Prenez Enrich, il est disponible. Parce que même si c'est un combat en théorie facile, j'aime que les combats en théorie facile soient faits sérieusement. Les renforts commencent à arriver à temps. Ils ont tenté un débarquement là-bas. On les a bloqués. C'est même spécial ce qu'ils ont tenté comme combat. Là, j'ai... On n'a pas beaucoup de troupes par rapport à eux. C'est pour ça que c'est un peu inquiétant. Faut que nos troupes arrivent plus vite. Bon, c'est vrai que j'ai mobilisé la moitié de nos effectifs ailleurs. C'est normal que les troupes arrivent lentement. On est à 120. Heureusement, il y a encore une autre armée. Le siège du Lyonnais. Avec la chute du Lyonnais, on est plutôt pas mal. Du coup, on va pouvoir avancer sur l'Orléanais. Et l'Auvergne. Ça y est, on a pris le dessus. Belle bataille, enfin. Très très belle bataille. Zagreb, Dalmatie, Morbihan qui est gagné. Donc Morbihan, on va partir renforcer la bataille. Ouh, 70 000 hommes morts chez nous. 70, 80, ouais, eux aussi ils ont beaucoup de morts. Donc là, on n'a pas fait semblant niveau affrontement. On s'est vraiment foutu sur la gueule. Mais méchamment, quoi. Pour partir là-bas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Draguignan, on l'a perdu. On va reprendre un petit peu un déploiement. Les points... Ah, il va falloir investir. Ces sciences vont investir, là. Non, je crois que ça va juste être investir un tout petit peu. C'est dommage parce que j'étais pas loin... de finir ce que je faisais. Donne-moi des sous, ça me fera plaisir. En fait, j'ai remboursé mes crédits. Ouais, bon, bah, c'est peut-être le moment d'acheter quelques nouveaux bâtiments. Oula, en plus, apparemment, c'est open bar. Je dois construire un paquet de bâtiments. Non, ça, c'est pas à moi, dommage. Ouais. Heureusement qu'on est pauvre. Parce qu'on n'a pas fini, hein. Vazradin, Quercy. On a toujours pas accès au Limousin. Ouais, vous deux, vous passez de l'autre côté aussi. Bah, c'est tant mieux. Avec la libération du Berry, on va pouvoir faire un peu plus. On va pouvoir facilement regrouper nos troupes. Ça, c'était Tripoli. Ouais, vous aussi, il va falloir que vous fassiez gaffe quand même, parce que je vous ai pas, j'ai pas des hommes illimités. Vous passez là-bas, vous passez là-bas. Vous, vous allez me buter l'armée qui est là et vous prenez Enrich. Je garde l'autre disponible au cas où il y a une arrivée de, d'un seul coup d'un rush français. Parce que les rushs français, on les connaît bien. Ils font plutôt mal. Passez au Languedoc, vous. Vous, va falloir commencer Provence. Ouais, c'est ça. Non, c'est Johan Elmer, pardon. Johan Elmer qui dirige ceci. L'Auvergne, Guyenne. Donc tu peux passer sur le fort. Apparemment, ils sont en train de se regrouper à Narbonne. On a le Limousin. Est-ce que je peux avancer ici? Non. Ah, ça, ça fait un bien fou parce qu'on a plein d'états à acheter.
21, c'est pourri. 39, c'est pourri. 16, c'est pourri aussi. T'as les montants que vous me faites payer, quoi, les mecs. J'ai l'impression que je suis un SDF. Il y en a encore 3 que je peux pas corer. Voilà, c'était la doctrine que je voulais de limite navale. Et ensuite, je vais reprendre les sciences. Qui c'est qui est pas content? Les clercs et les nobles. Bah, c'est toujours les mêmes qui sont pas contents, en fait. Vous n'auriez pas pu me donner des bourgeois de temps en temps? Voilà, les clercs, ce sera ici. Et les nobles, je vais donner celle-là. Je vais donner celle-là. Ah, c'est vrai que les bourgeois, je leur ai pas donné grand-chose. Alors, ce que je cherche, ce serait sur la carte économique. Commerce, c'est ça. C'est toutes les cases où j'ai un truc comme ça. Les bourgeois l'ont pris. Ça là, il faut que je la donne aux bourgeois. C'est des cases où les bourgeois se font plaisir. Et normalement, mon économie aussi. Ah! Je suis désolé, mais non, je vais vous la retirer. Ça, c'est pour les bourgeois. Sealand, ce sera bourgeois. C'est ça, Krakos, c'est pour les bourgeois. Cologne, bourgeois. Je suis peut-être en train de donner beaucoup de terrain aux bourgeois là, faut que je fasse gaffe. Ça, c'est pas à moi. Memel, c'est aux bourgeois. Riga, c'était déjà aux bourgeois. Le dessus, c'est pas à moi non plus. Ça, c'est à moi. Bourgeois. Constantinople. Ah, je peux pas encore le donner. C'est... Ah bah oui, en plus, c'est en fait que je l'ai pas pris encore. C'est normal. Ok. Qui est-ce qui doit augmenter? C'est les nobles. On n'a encore rien donné là-bas. Hop, on va changer de carte. Ça, ça passe pour les nobles. Et je pense qu'une deuxième province pour être tranquille. Voilà. Et quoi, ils continuent à m'embêter? Les nobles sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, les nobles. Voilà, vous aurez cette province-là. Vous m'emmerdez plus, c'est déjà ça, on reprend la surveillance de la France. Ah, d'ailleurs, heureusement que je reprends la surveillance de la France, on est en pleine attaque. Joël, tu prends la réquisition de ça. Vous, vous passez là-bas. On est quand même 90. Vous revenez tous en soutien. Sans blaguer, parce que là, ils n'ont pas fait semblant, ils attaquent. On n'avait pas de général, maintenant on a un général pour défendre. D'ailleurs, on va augmenter un peu la quantité. Tiens, la Flandre qui nous rejoint. On est en infériorité numérique à ce point-là ou quoi? Soit ils sont en train de nous déchirer, soit ils... on est vraiment supérieur, en infériorité numérique de malade. Ouais, ça c'était pas la bataille qui m'attendait le plus, que j'attendais le plus. Grâce à un truc, j'ai pu faire deux états. Ouais, c'était joli. Ouf, allez, 170 000, c'est bon. C'est ressaisi. Bon, encore un épisode qui va être énorme. Parce que j'ai aucune idée de comment on va faire pour gérer tout ça. Ok, on les a bien repoussés. Vous vous barrez en Auvergne. Vous là, vous me regroupez et je veux que 30, la moitié des 30 canons partent là-bas. Ça devrait suffire. Les 18 000, vous rejoignez cette armée. Vous, on vous coupe en deux. Et toi, tu rejoins Périgord. En attendant, je peux toujours pas faire les derniers.
Missionnaire est à l'œuvre et mission... Ok, ça c'est les missionnaires qui bossent. Tech, ok. Alors les missionnaires, ils vont avoir un bon paquet de boulot. Ok, comme un missionnaire est fini. Eh ben non, en fait. Au boulot, les mecs. Non, on n'a toujours pas le mouvement là-bas. Ah, et là, il y a une petite troupe qu'il va falloir aller éliminer. Allez-y, vous deux. Vous prenez Elster. Non, Elsner. Vous coupez en deux. Une partie qui va là-bas, une partie qui va là-bas. La trêve avec Ming a expiré. Donc Ming, on pourra bientôt leur péter la gueule. 1781, on approche la Révolution française. Ça commence à être chaud. Enfin, juste au niveau des dates, parce que la bataille est tranquille. Ok, vous, comme d'hab, on va vous faire revenir sans problème. Vous êtes un peu à l'ouest. Je crois que j'ai pas fait exprès, mais j'ai dû viser à côté un moment. En fait, c'est qui eux? Ce sont des révolutionnistes. Et ben, je pense que alors, des révolutionnistes, des révolutionnaires. Ok, et ben, sur ce, on arrête là. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Salut à tous, c'est Damzou. On est sur les 40 dernières années. On va espérer que j'ai plus de problèmes de tournage. Enfin, de problèmes techniques, parce que j'ai pas trop de problèmes de tournage sinon, j'avance pas mal. Toi, tu peux laisser une armée, c'est direct. On a bientôt sorti Venise entièrement, et d'ailleurs, la cible principale, c'est la France, et on perd beaucoup de points parce qu'on n'arrive pas à choper l'Île-de-France alors qu'on est en train de les bombarder comme des gros porcs. Allez, vous la butez cette Île-de-France ou quoi là? 42%, ils ont encore 5000 hommes. Il me reste celui-là à faire tomber. Vous passez à Zeta, vous après, et on aura fini. Oh non, encore une armée comme ça. J'espère que vous allez vous occuper de ça, vous. La lune allemande. Ouais, bah donne-moi des points administratifs. Je préfère largement ça au prestige. Ok, et normalement vous vous occupez de la rébellion. Et j'ai épuisé combien? Ah, j'ai quand même épuisé 100 000 hommes. Vous m'aurez fait consommer beaucoup d'hommes, ce bande d'escrocs. Bosnie. Ouais, il me reste que deux forts vénitiens. Talbouk. Après, ça, c'est deux forts qui sont tombés. Reprend Elsner. En théorie, on en a fini avec Venise. Enfin, on en a fini avec la face visible de Venise. Le siège de l'Île-de-France, punaise, depuis tant qu'on était dessus. Vous venez faire des secondes lignes. Celui-là, il a moins 70. Oh, il n'est pas prêt d'avancer. Quand je veux être l'ordre général, il a 3 en siège, c'est parfait. Non, vous avez même pas de canon. Vous, on est à 5 ici. Et 3, je crois que tu as quand même quelques canons que tu peux prêter. 15, ça suffira peut-être pas. 15. En pleine attaque contre des révolutionnaires. Ah, mais je vous avais pas vu, les mecs, là. Vous seriez pas en train d'essayer de faire révolutionner la France? J'ai pas envie, les mecs. La France, personne ne la révolutionne pour l'instant. Déjà, nous, on va la dompter, ça sera déjà pas mal. Mais la révolutionner, jamais. Vous savez que vous étiez 40 000 quand même, les mecs. Alors, comment vous avez fait... Oh putain, vous n'avez pas de canon. 4 000 de Lucas, non mais... Ils ont plus de morale, les mecs. Ce serait bien de rentrer à la maison. Et par contre, ce serait bien aussi de me rendre mes hommes. Un emprunt de 5 000. I'm lonely, pauvre solitaire. Alors, j'aurais qui à sortir? Il y aurait Léon. Est-ce que Léon voudrait sortir tout seul de la guerre? Léon,
Ouh, Léon serait prêt à sortir de la guerre. Encore 2-3 mois et puis c'est bon, on peut dire au revoir à Léon. Ouais. Non, parce que vous, je reviens à Venise, je vais vous faire payer beaucoup plus que ça. Hop, là, on peut avancer encore d'une ligne. Labour. Vous allez directement au Béarn, l'Armagnac, Toulouse, ici, Périgueux, et voilà. Ehar. Prenez le Quercy. Putain, franchement, les mecs, vous vous rendez compte un petit peu comment c'est lourd de faire la guerre contre vous? Tous ces forts à percer. Alors que chez nous, c'est pire. Attendez, vous êtes en train de me dire que la flotte de Venise, que la flotte de Milan a presque coulé la flotte de Venise, et du coup les Français ont été obligés d'intervenir. Oh, ça fait mal au cœur de savoir ça. Ah, il n'y a pas longtemps, ils étaient à moins 13, ils sont remontés. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous puissiez remonter comme ça? Ah, puis vous êtes en train de perdre une guerre en Afrique. C'est pas de bol pour vous, ça. Ben, les mecs, vous vous mettez en position à Frioul, et quand vous serez à Frioul, vous êtes à Cré. La capitale vénitienne, ne vous en faites pas, on va vous la péter un jour. Pour essayer de faire venir ma flotte. Mais j'ai pas envie de la perdre ma flotte actuellement, j'y tiens un peu beaucoup quand même. Nouvelle. Allez, il me reste plus que Jérusalem. En prestige, j'aimerais bien savoir à combien j'en suis. Mamelouk a conclu une alliance avec Venise. Mamelouk? Attendez, j'ai bien lu Mamelouk. Ah, c'est ça le Mamelouk. C'est particulier quand même le Mamelouk. À votre place, je serais parti chercher ailleurs. Tiens, Jérusalem, ça avance pas ou quoi? Alors, les clercs qui reperdent un peu de trucs, le progrès du clergé, ça veut dire que je vais pouvoir leur donner un petit boost ici. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est cool. J'aurais fait l'inverse, je les aurais fait gagner en influence, j'aurais pété un câble. Alors, est-ce que Léon, vous êtes prêt à partir en paix blanche, quoi, les mecs? Mais pourquoi vous voulez pas partir en paix blanche? Vous étiez à moins 1 il y a 2 minutes. Vous avez commencé une guerre contre... Et en plus, vous venez de commencer une autre guerre. Ça va peut-être être compliqué là. J'ai accès en Navarre. Ok, on avance de... à peine. On va encercler leur montagne. Mais on va surtout pas attaquer la montagne. C'est le meilleur moyen pour qu'on perde beaucoup trop d'hommes gratuitement là. Un soulèvement à Moscou, ils sont combien? 50 000. Ça fait un peu beaucoup pour juste toi. Non, toi tu vas rester là comme prévu. Bah du coup, vous allez venir ici. Vous allez prendre eux comme renfort. On va vous préparer le combat, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est une montagne? Non, ça c'est pas une montagne, c'est qu'une colline. Donc on peut préparer la bataille. On attend que tous les petits terrains à côté soient tombés. Et je retourne toutes mes troupes sur eux. Attention. Bonjour l'armée française. Ah ça, Heart of Iron.
D'après ce que j'ai vu, ce serait une attaque magique, hein. Attaque de tellement de côtés. On a moins 1, on a moins 2. C'est un conquistador qui défend. Ah ouais, il, par contre, il vaut pas mon général. Hein. Narbonne qui est tombée, donc du coup, on va avancer. Erdin, ouais, c'est bon, parce que mes troupes étaient même à Erdin directement. Vous, vous allez bientôt pouvoir gérer cet affrontement contre l'armée de Moscou. 69 000 pour gérer l'armée de Moscou, ça devrait suffire. Ah, on leur a bien fait mal. Là, on va juste vous séparer un peu plus. Commencez Aragon, Pyrénées, Barcelone, j'y ai accès. Et à côté, Ugrel. Ah oui, tiens, la Catalogne, ils ont rendu Barcelone. Petit déploiement tactique tranquille. On va reprendre. Est-ce que le Léon n'aurait pas envie de sortir maintenant? Moins 18. Putain, les mecs, vous savez que vous allez, je vais vous péter votre armée. Est-ce que j'ai le moyen pour passer? Non. Par contre, Barcelone va pas tenir longtemps. Et vous savez que quand Barcelone va lâcher, c'est vous qui allez péter. Allez, défendez le coin à vous deux. Navarre. Restez en Navarre. Le Roussillon. Alors. Silistrir va s'en occuper. L'effort. On n'est pas du tout au point. Vous, vous rejoignez la province ici. Aragon. Non mais montrez-moi l'état du siège, bordel. On l'a, c'est bon. Et Barcelone, on l'a aussi. Les Pyrénées, Ugrel. Les 200 000 Français, est-ce qu'ils vont tenter une sortie à nouveau? Enfin, en fait, ils n'avaient pas tenté une sortie, c'est juste moi qui attaquais. Comment ils ont fait pour prendre Silestrie et vous, les mecs? Pourquoi vous avez... Je vous ai pas activé? Attendez, j'avais 50 000 hommes ici, ils sont où? C'est une blague. Je viens de trouver où est-ce qu'ils sont, oui, c'est assez particulier. Prenez mon petit Johan et passez à l'attaque. De toute façon, quoi qu'il arrive, on passera à l'action. Quand on aura 990 ici, on signera la paix. Ah, la chute de Barcelone, sauf qu'entre temps, ils ont viré leurs troupes. Ils m'ont pas attendu. J'aurais bien aimé que vous me laissiez vos troupes ici. Raguse, on les a bien pétés. Barcelone, normalement Barcelone c'est une grosse province. 23, ouais, ça reste une grosse province quand même. Une fois qu'Aragon est tombé, on prend tous les derniers forts. Et on va retourner péter un petit groupe de Français. Ah ouais tiens, Venise, ils ont débarqué les troupes. Mais les mecs, vous abandonnez jamais hein. Vous savez que dans la vie, il faut abandonner de temps en temps. Ça fait pas de mal. 986 plus 12, ça fait encore un mois. Toi, t'as un mois pour réussir. Tu réussiras pas. Ok, alors. Flandre. En fait, je vous ai pas dit, c'est quoi mon but, mais c'est d'enlever toute la côte française. Voilà, tout ça, vous me donnez tout ça à Flandre. Ils vont adorer.
Vous faites la même chose de l'autre côté pour Milan. Ils vont adorer. Voilà, alors déjà prendre tout ça. Ok, juste à surveiller que le score ne monte pas de ce côté-là. Ça, après, ça c'est l'Allemagne. J'ai accès à ça. Ah, je pourrais commencer à prendre les côtes. Non, pas encore, parce que c'est pas encore occupé. Ah bah tiens, ça va passer à Milan. Ça leur fera un terrain de moins, ils me feront chier beaucoup moins. Moi, je veux l'Île-de-France, on va dire, je veux tout ça même. Ils sont prêts à lâcher pas beaucoup, un petit peu encore. Faudrait trouver un truc avec 5 de score de guerre. Trinité? Sérieux quoi, vous voulez que vous me lâchiez Trinité? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je pourrais peut-être partir dans un délire. Non, franchement, les colonies, je leur laisse. On peut pas me lancer dans les colonies. Gabon, non, Ezequio, Demaras. Non, ça, c'est des colonies. Colonies, colonies. Cameroun, c'est de la colonie. Peut-être la prochaine. Mais là, actuellement, j'ai pas les moyens. Ça, c'est de l'Afrique. Afrique et colonies. Bon, on va quand même. Ah, Biscaye! Attendez, j'ai lu Biscaye, où ça? Ouais, non, Biscaye, c'est dommage parce que je peux. Comme je l'ai pas occupé, je peux pas le donner. Sardaigne. Il y a un fort en Sardaigne, c'est ça, ouais. J'aurais pu prendre la. Non, la Corse, pareil, je peux pas le. Si je le prends. J'aurais du mal à le défendre. Le Dauphiné, il vaut. Ah bon? Quand je clique sur Dauphiné, ça me met à 0. Ah ouais. Ben, je vais prendre la Corse. Après tout, on n'est pas difficile. Parfait, vous me donnez tout ça, les mecs. Bon, je pense que à ce rythme-là, vous appelez la France, ça va être difficile. Là, faudrait que je reparte de l'autre côté du monde pour partir en guerre contre les autres. Niveau effectif, je peux acheter des armées. Bah, parfait. Une, deux. Voilà, ça fera 100 000 hommes déjà prêts pour la guerre. Faut que je laisse des troupes ici. Si je laisse pas de troupes, le pays ça va être dur à gérer. Allez, vous allez tous vous mettre là-bas et je vais vous gérer. Non, mais plutôt vous gérer en Alsace. Pas pourquoi je préfère l'Alsace. On repart côté côté russe. Va te faire au foot, toi. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu sais que tu es en train de me gêner, mais à fond, toi, quoi. Regroupement là. Regroupement là. J'ai. Non, pareil, il y a une armée de trop là-haut. Tu peux te casser. La science militaire, c'est beaucoup trop en avance là. Allez, on va devoir déployer un petit peu. Ouais, bon, bah, ça n'a pas servi à grand-chose. Voilà, un petit peu par ici. Ça servait à rien du tout, Prague. Ouais, c'est bien ce que je dis, ça servait à rien, j'ai investi pour rien du tout. Ma reine non plus. Ah là, je peux investir pour quelque chose d'utile. Un peu plus de limites militaires. C'est une montagne, on va essayer d'éviter. Ah! Bah, administratif, tiens, on les passe après. Là, ce qu'il faudra, c'est une production à Munich. 5 Turcobain dans le vaisseau militaire, j'ai dépensé mes points.
La France n'est plus... Ok. Conclusion, les mecs, je prends qui comme rival hein, entre nous? Donc c'est les clercs et les nobles toujours qui font chier. Dans ce que je viens de prendre, je vais pouvoir refiler ça à personne. Allez, ça va au clerc. Et ça va au noble. Limite d'armée 786 000. On avance pas mal. Allez les mecs, Oh, pourquoi vous vous êtes arrêtés? J'ai dit tout le monde rendez-vous en Alsace. Qu'est-ce que vous... Oh bah j'en ai encore là-bas. Ah, rendez-vous en Alsace. Ah, alors j'aurais déjà 100 000 hommes sur le front russe. D'ailleurs, est-ce que je suis sûr que la trêve est finie? Oui, la trêve est finie. Ça, c'est pour faire avancer un petit peu la Suède. Le jour où j'aurai de l'argent, je ferai avancer mes troupes, ma flotte. Objectif, prendre Londres. Ce serait un bon délire de prendre Londres quand même. Il me manque 6 000 hommes. Hey, j'avais quand même 400 000 hommes dans cette invasion. Ça fait des groupes de 50 000, ça fait beaucoup des groupes de 50 000. Quoique, si on a ce qu'il faut pour les accueillir, c'est pas grand-chose. Bon, 50 000, vous partez à Bade. 50 000, vous partez à Munich. Et vous faites partie d'un groupe là-bas encore. Ouais, c'est bon. Je dois pouvoir caser 50 000 hommes pour gérer la protection de Milan. Par contre, faut que je trouve la bonne province pour les caser. C'est quoi ces provinces de merde? Franchement, les côtes sont mauvaises ici, hein. Là-bas, est-ce que les côtes sont meilleures? Voilà, vous irez à Nantes. De toute façon, votre but, c'est juste de protéger en cas de rébellion. Donc, en gros, vous occupez la place où je vous ai mis et vous bougez pas. Et ensuite, toi, on va te recouper encore en deux. Je vais mettre un deuxième groupe de 50 000 ici parce que normalement, la Hollande, ils vont forcément bouger leurs armées pour me rejoindre. Et un deuxième groupe par là. Voilà. Et un petit groupe de 50 000 par là serait pas mal aussi. Directement en Île-de-France. Voilà, et le reste. Gagner en stabilité, bah ça c'est cool. Et le reste, vous vous cassez côté russe. Allez, au pas de course. Au pas de course. Je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent tenir l'Empire, eux. S'il n'y a plus d'électeurs. Va falloir que vous le crachiez, l'Empire, hein. Vous savez qu'un jour, j'aurai les moyens de débarquer. Et ça, vous allez comprendre vos douleurs quand je vais le faire. Hein. Parce que là, petit à petit, je mets au point ma flotte pour débarquer. Un jour, elle sera prête. Bon, certes, c'est un jour lointain, mais elle sera quand même prête. Et hop. Voilà. Donc, toi, t'es en position anti-rebelle. Position anti-rebelle. Anti-rebelles. Alors je vous préviens, j'ai pas envie que vous me fassiez chier à aller chasser les rebelles adverses. Non, il me manque une troupe de 50 000 là-bas. Quoique, non, c'est toi en fait qui t'es pas allé à Nantes. Et toi, t'es pas allé au front. Alors t'attends quoi pour bouger ton cul? Je laisse 200 000 hommes gérer ce coin-là. À mon avis, c'est beaucoup trop. Mais comme j'en ai rien à glander, si vous voulez, j'en mettais même 100 de plus. Ah, j'ai quand même déjà atteint les 800 000 hommes. Navire, je pourrais en faire 60 de plus.
Ah là là, si seulement j'avais le financement. Allez, quelques... Comment on dit quelques dons. Donner des dons à la pauvre Allemagne. 35 000 par là, 30 000 par là. Vous barrez là-bas directement. Ça va faire la même chose avec vous. Là, je pense que j'ai largement un groupe d'attaque pour la... Pour la Russie. Et je rappelle que mon but, c'est juste de vous péter la gueule. Ouais, remarque comme à chaque fois, donc je sais même pas pourquoi je vous le répète. Bon, on est en position d'attaque. Vous pouvez appeler les Ming si vous voulez. On prend la capitale, c'était verte. Ok, toi tu prends Riga, toi tu prends ça, toi tu prends Pskov. Toi tu vas passer là, toi tu passes à Novgorod, toi tu passes à Ingri. Vladimir, t'es vert. Kursk, Oka. Allez, à tout là et fusionner. Est-ce que quelqu'un n'a pas d'ordre de mouvement? Toi, t'en as pas. Tu vas être au milieu pour l'instant. Ah mince, j'ai pas attendu que l'attrition, que ma lassitude de guerre s'en aille. J'ai peut-être attaqué un peu vite là. Non, j'ai dit que maintenant j'attendais pour la science. Donc on va monter à fond. Toi, j'aimerais bien que tu me fasses tomber ce putain de province. Donc tu vas m'acheter 40 canons à côté. Voilà, avec tous ces canons, on les enverra sur Riga, ça fera l'affaire. Ok, toi tu vas occuper Riazan. Toi tu vas attendre au milieu. Alors les Russes, est-ce que vous êtes prêts à m'affronter? Eh ben, y a déjà un fort qui est tombé. Bon, toi tu pars au front. Kursk, c'était pas un fort. Pernov. On peut attaquer Reval, on peut attaquer Reval. On peut attaquer Voronezh ici? Non, ah, par contre, on peut ouvrir les combats en attaquant l'armée qui est là. 33 000, on va leur tomber dans le dessus. Tula, Ingri. Tula, vous passez à Tampov. Non, vous ne pouvez pas, bah, vous allez attendre à Tula. Vous, vous passez à côté. Attendez, c'était eux que j'avais envoyés ou pas? Non, c'était eux, donc vous bougez pas de là. Ingri, c'était eux, parfait. Vous êtes bloqué ou pas? Non, vous passez là-haut. Non, vous, je vous ai dit que vous passez là. C'est lui que je veux savoir combien de temps il lui faut pour arriver. Pskov. Pskov, c'était pas un fort ça? Si, c'était un fort. Ok, par contre, moi 30 000 contre 40 000, il n'y a pas de souci, je peux me les faire. Voilà, on vous a pété. Et à demain. Non, pas à demain, à jamais. Par contre, faut quand même faire gaffe parce qu'ils peuvent ramener beaucoup de monde. Vous, par contre, vous allez plutôt ravitailler vers le sud. Attendez, c'est. Ouais, je suis sur un fort, c'est normal. Vladimir. On va faire Yaroslav. Ça, c'est Novgorod qui est tombé. J'ai quand même attendu beaucoup plus de la défense de Novgorod. Allez. Tous à Riga. Marche forcée et en avant. C'était un peu osé de ma part quand même de faire ça. Attendez là. 44 000, bonne question. Bah, moi je vais attaquer. C'est. Je vais qualifier ton action de bizarre parce que du coup tu m'as ouvert ta défense. Mais totale quoi.
J'avoue que pendant un moment, j'ai eu un doute, je savais pas où aller. Mais là, tu m'as dit, tiens, c'est open. Non, toi, tu vas là-haut. Toi, t'attends là. Toi, tu reprends ton siège. Du coup, mes 30 000, ils vont te péter ta gueule là. Torque, Kourx. Faut attaquer Vorogenev. Torque, c'était où? C'était un, c'était Torque. Passer à Ball 0. Même le soutien de canon a pas suffi. Monter légèrement au-dessus. Kharkov est tombé. Reval. Bah, en avant, on va repenser, on va continuer d'avancer, hein. Narva. On va passer à Sourka. Holonet, c'était en haut. Oh putain. Toi, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que je t'ai dit d'aller là-bas. Holonet, tu vas aller ici. Vous, vous avez accès là. Non, j'ai bien peur que si je t'envoie en bas, j'ouvre totalement ma défense du milieu. Donc vous allez attendre ailleurs. Parfait. T'achètes. Et ça me coûte 51, infidèle. Là, tout a été coré. Presque, il me manque encore Jérusalem. Ball 0, Kharkov. Vous pouvez avancer au milieu. Ball 0, vous allez passer à Bologa. Brezhnev. Non, vous allez attendre un tout petit peu au milieu que les forts tombent. Sinon on va trop vite. Et si on va trop... Et quand on va trop vite, j'aime pas ça. Avancer par là. Yaroslav, la capitale vient de tomber. Et on est bloqué par Tver. Non, c'est Tver la capitale. Elle n'est pas encore tombée. On va attendre le résultat de Tver avant de bouger. L'unité religieuse va très bien se passer, je pense. On a combien en canon là? Bon, on a le plus 5, c'est bon. Vorojnev qui faisait la défense ici est tombé. On peut donc commencer à s'écarter un petit peu. Il faut que ces deux-là tombent pour que j'ai un accès partout. La mec! Et c'est toi qui t'en occupes? C'est parfait, mec. Continue de faire du bon boulot. Si tu les chopes, c'est très bien, Kiev. Comme ça, je peux t'envoyer du soutien, et moi je m'arrête là. Ciao à tous, et la suite ce sera demain. Bye bye.